On a beaucoup de points de royaume. Il faut construire un nouveau bâtiment, donc on va choisir une cathédrale. Augmentation de la sécurité et de la culture. D'accord. Donc il nous faudra un prêtre ou une prêtresse. Qu'est-ce qui conviendrait mieux à une prêtresse? Peut-être pas, non. C'est... Ouais, dans cet esprit-là, ouais, ça pourrait être pas mal. J'aimais bien ça. Oh, ça m'a l'air sympa. Oh, bah oui. Allons-y, c'est parti. Alors, les traits de notre prêtresse. Réfléchissons. Elle sera érudite. Orpheline optimiste, peut-être? Allez, soyons originaux, soyons originaux. Orpheline optimiste. Alors, son point faible. Chétive, peut-être. C'est une prêtresse, elle n'est pas vraiment attirée par l'action. Elle est plutôt... Elle est plutôt spirituelle. Intellectuelle. Ouais, on va dire chétive. Notre prêtresse jacobane. Cécile Fleur Bleue. Voilà, la cathédrale jacobane est construite, notre prêtresse est installée, nous avons donc un quatrième héros, une héroïne en l'occurrence. Il est temps de retourner avec notre mage, Gilles. Salut tout le monde et bienvenue sur les Sims médiévales. Nous sommes avec notre mage, Gilles. Nous sommes toujours à la recherche de la fontaine de légende et nous sommes en pleine recherche. Est-ce que c'était bien ça que je devais faire? Non, pas du tout. C'est bien ce qui me semblait. J'ai réfléchi après, je me suis dit, est-ce que t'as pas été un peu trop vite? On va... parcourir la bibliothèque, ça me semble être ça. Oui, voilà, parcourir quelques bibliothèques. Alors, avons-nous quelque chose qui mentionne la fameuse fontaine de légende? Non, je n'ai pas l'impression. Rechercher dans la bibliothèque, oui. Il y a pas mal de choses. Georges et la fosse du jugement. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Mais est-ce qu'on est censé faire ça? Parce que, qu'est-ce qu'ils entendent par faire des recherches? Lire. Capitaine pour toujours. Tout ça, non. À moins que ce soit ça. Non, bah non. Je suis perplexe. Parce qu'on peut pas... Ah voilà, parcourir, d'accord. Il peut prendre les livres suivants. Bon, sans les... Bon, on a tout parcouru.
Pas étonnant que bibliothèque n'ait pas de titre sur une fontaine de légendes. Par nature, les fictions n'ont pas vraiment d'utilité pratique. Cette histoire est très populaire au village et le magasin là-bas récupère toujours des objets auprès de voyageurs. J'y trouverai peut-être plus de choses pour comprendre ma vision. Donc on doit aller au village. Donc trouver et lire un livre de fables au magasin du village. D'accord, continue d'explorer la grotte. On verra ça plus tard. Et bah tant qu'on y est, vu que Gilles est niveau 5, ça pourrait être pas mal de chercher un nouveau bâton. Attendez, il faut que je consulte les avantages du niveau 5, nouveau sort, nouvelle recette. Et nouveau bâton disponible à la forge, mais on n'a pas encore de forge. Ah, il faudrait peut-être l'installer. Mais comme vous avez vu, hein, j'installe petit à petit des bâtiments, vu qu'on a pas mal de points de royaume. Waouh, il a l'air... il a l'air un peu perturbé, Gilou. Donc oui, je profite du fait qu'on ait plein de points de royaume pour pouvoir construire plein de bâtiments. Et puis comme ça, nos prochains héros sont déjà installés. Alors, un livre de fables. Et ben voilà, fables fabuleuses et folles. Ajouter au panier et ensuite, est-ce qu'il y a un bâton éventuellement? Non, je ne sais pas trop. Équipement plutôt, oui, équipement. Bâton du maître des arbres, ça, on l'a déjà. Mais oui, je pense qu'il faudra la forge. Parce qu'après, oui, on n'a que des équipements. On a des équipements un peu mieux, mais pour avoir des équipements encore mieux, je pense qu'il faut avoir la forge. Donc la forge semble être un bon choix pour le prochain bâtiment à construire, d'autant plus qu'il nous reste de quoi, je pense, construire deux bâtiments si on se débrouille bien. Alors, en passant devant les stands au marché du village, Gilles tomba sur une curieuse et suspecte cavalcade de ménestrels ambulants. Un bouffon vêtu comme un lutin s'avança devant Gilles le mage et proposa de lui vendre un brin enchevêtré d'herbes mystérieuses, oui, pardon, rafraîchissantes et parfumées. Des herbes mystérieuses, rafraîchissantes et parfumées. Dit Simflouze, on peut peut-être prendre ce risque. La bande d'amuseurs publics semblait inoffensive et apparemment elle savait faire la fête. C'était peut-être une bonne idée de goûter à ces herbes inconnues. Que pouvait-il se passer? Allez, on va tenter. Soyons fous, tentons. Gilles le mage regarda nerveusement autour de lui avant d'engloutir le brin d'herbe d'un seul coup. Il remercia alors le ménestrel bigarré et poursuivit ses courses. Peu après, il eut la bouche sèche, puis la nausée. Que ces misérables ménestrels soient maudits! Rageait-il en vomissant les herbes puantes. Malheureusement, ils avaient déjà plié bagage avec les simflouzes d'or de Gilles le Mage et riaient sans doute sur leur chemin en jouant de leurs violons infernaux. Super, il a la nausée maintenant. Super. Bon. En même temps, c'était pas une bonne idée. Vu la chance qu'on a en ce moment, il valait mieux peut-être s'en aller tout simplement. Bon, rentre à ta tour et repose-toi. On va essayer d'avancer assez vite hein, dans cette quête. On va essayer de ne pas, enfin, avancer vite, je veux dire, ne pas perdre de temps lorsqu'on a la possibilité de faire des choses. Donc, tu vas t'installer tranquillement à cette table et tu vas lire ce livre. Voilà, le temps que tu te sentes mieux. Bah allez, sors ton livre. Ça va te détendre un peu. Voilà. Ah, Berk. S'il te plaît, tu peux finir ce livre? Ah. C'est vraiment répugnant. La fable, quoique divertissante, ne fournit pas beaucoup de détails sur la manière de localiser la fontaine. Une grande partie de l'histoire semblait manquante, et le reste semblait écrit par plusieurs personnes différentes. Donc, on n'a pas vraiment appris grand-chose. Il est temps de retourner à la grotte. Mais après avoir mangé. Allez, Gilou.
Sherma, je veux dire, bien sûr, un peu de respect, hein. Un peu de respect, un petit... Oh, mais attendez, on a plein de pain normalement dans l'inventaire, j'y pense plus. Non, stop, stop, stop. Ah, j'ai accéléré le temps. Malheur. Malheur, malheur, voilà. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Je peux nettoyer ou mettre dans l'inventaire. Ah, mince. Bon, c'est pas grave. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Depuis le temps qu'il est resté dans l'inventaire, il est plus mangeable. Mais il y a des choses hein, pour. Il y a des garde-manger justement pour conserver la nourriture. Il faudra y songer la prochaine fois. Donc c'est bon. Il a pas trop de sommeil. Il a bien mangé. Donc retour à la grotte. Et on va chasser dans la grotte. Pour tenter de trouver ses bécassines. Alors, la potion Revoir Ivresse doit donc être préparée. On doit payer nos impôts. Donc ça, c'est pas trop difficile. Alors, les bécassines sont aussi rares que fugaces. Gilles le mage ne parvint pas à trouver la moindre trace d'elle dans la grotte. Décidément. À chaque fois, il est malchanceux. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Cueillons quelques herbes. Ça pourra nous servir pour les prochaines préparations. Et ensuite, nous irons au château. Alors, voilà. Boum. Voilà, quelques ingrédients pour les prochaines potions. On va vite fait remplir nos responsabilités. Ça charge un peu. Payer les taxes, 250 simflouzes. Donc voilà la souveraine. 250 simflouzes. Mais c'est cher. C'est scandaleux. Scandaleux. Bien. Donc la potion au revoir ivresse. Et on peut préparer un grog mystique. Haha. Mais pas au revoir ivresse. L'étoile bleue. Oh, bon. On ne va pas s'embêter, on va aller au magasin du village. Parce que je ne comprends pas pourquoi, mais l'étoile bleue est très difficile à trouver. Il n'y en a pas là. Racine de fée, fleur sauvage, d'accord. Bon, on va y aller. C'est pas grave. Il va certainement nous arriver d'autres choses sur le chemin du village. Lors du retour. Alors, objet. Étoile bleue, voilà. Ah, ils en ont seulement deux. Exactement, exactement ce dont Gilles a besoin. Bah déjà, acheter et vendre. Qu'est-ce qu'il peut vendre? Du pain d'orge. Il est gâté. Ouais, bah oui, donc forcément, forcément, il ne va pas se vendre. Bon, de toute façon, on va s'en débarrasser, hein. Voilà. Tenez, jetez-le vous-même. Alors, soyons plus sérieux. Y a-t-il quelque chose d'intéressant à vendre? Un grog mystique. Bon, on va le garder parce qu'il est possible qu'on ait à le livrer. Quoique, on peut en préparer un, donc on va vendre celui-ci. Et on en préparera un autre. Alors, que se passe-t-il sur le chemin du retour? En descendant la rue, Gilles le mage entendit des pleurs en bas d'une allée. Regarder dans cette direction lui permit de découvrir un petit enfant très sale pleurant près d'un caniveau. Doit-on l'aider ou l'ignorer? Gilles, le mage, est quelqu'un de bon, il va forcément l'aider. Peut-être que l'enfant avait juste perdu sa mère? Pour le savoir, Gilles le mage devait lui demander ce qui n'allait pas. Sauf que c'est peut-être une ruse, c'est peut-être un petit voleur. Bon, c'est pas grave. Oh purée, on trouvait partout des enfants inutiles comme cela. Si l'on devait s'arrêter et aider tous ceux qui sont en détresse, rien ne serait jamais fait. Bon, on va l'aider quand même, on va l'aider. Gilles le mage apprit que l'enfant. Pardon, apprit de l'enfant qu'elle avait perdu son unique jouet sous le caniveau à proximité et qu'elle ne pouvait l'atteindre parce que ses bras étaient trop courts. Faisant la grimace, Gilles se mit sur le ventre et mit le bras dans le caniveau. Il ne fallut pas longtemps avant de sortir l'objet ainsi qu'une intéressante babiole.
Elle a reçu 50 points d'expérience et un fragment de métal mystique. Voilà. Une bonne action. Alors, il faut par contre décider de la personne que l'on va interroger. Qui cherchera Gilles le Mage pour en savoir plus sur la fontaine? Le paysan légendaire ou le moine vertueux? Qui serait le plus sage? Je dirais le moine vertueux comme ça. Le paysan légendaire ou le moine vertueux? Allez, choisissons le moine vertueux, on verra bien où ça nous mène. Moine vertueux, c'est son nom. Tout le monde sait qui il est, il s'appelle moine vertueux. Bien. À présent, rentrons et préparons cette fameuse potion au revoir ivresse. Il nous reste 5 heures pour la préparer et la livrer. Oula, qu'est-ce qu'il a? En pleine recherche. Et il manque de foi. Ça ne te ressemble pas, Gilles. Et il commence à être un petit peu fatigué. Allez, juste cette potion et après, tu peux méditer. Pour te reposer un peu. Allez, go, go, go. Cette feuille a toujours des problèmes. Nous pouvons à présent livrer cette potion. Allez, suivons donc le mage. C'est où? Ah d'accord! C'est le marin là-bas. Allez, on accélère un tout petit peu. Et nous sommes donc au port. Ah, le capitaine! D'accord. Capitaine Herbin, Herbin, je ne sais pas comment je dois prononcer. Bon, on peut dire Herbin, voilà. Soyons français, voilà votre potion, mon brave. Ah, je me souviens dans l'époque où je buvais une potion. Ah mince, y a pas de point. Une potion au revoir ivresse avant d'aller faire la fête. Pour l'instant, c'est 55, c'est 65 simflous suffiront à me payer. Bien. Bon, à présent, nous pouvons méditer. Et après, nous irons interroger le moine vertueux. Localiser. Bah, il est là-bas. Il est facile à localiser. Hein. Ah mince, il a faim. Il n'y a pas quelque chose dans son inventaire qu'il peut grignoter? Non. Faut retourner. Oh, faut retourner à la tour. Zut! Ah, il faut tout le temps manger dans cette quête. Enfin, dans toutes les quêtes, c'est partout pareil. Allez, fais-toi plaisir. Un pigeon grillé. Jeter un œuf et jeter une tomate. Que s'est-il passé? Ah oui, le moine vertueux, hein. Ouais. Je vois ça. Quand Gilles le mage arriva sur la colline où se trouvaient les horribles instruments de la justice du royaume, il remarqua plusieurs visages inconnus, misérablement emprisonnés dans les piloris. En les examinant de plus près, Gilles le mage reconnut d'un visage... Pardon, reconnut un visage correspondant à la description de la personne recherchée. Une douleur soudaine lui rappela que son bien-être permanent était sa seule chance de comprendre la vision. D'accord. Patrick le moine béni, d'accord, c'est son nom, c'est son vrai nom. La châtelaine Steph doit savoir que de toute évidence, cet emprisonnement est injustifié. Oui, sauf que la châtelaine... Bah, la châtelaine, c'est un petit peu de big boss, quoi, donc je ne sais pas si c'est bien prudent. Allons donc au château, par contre elle doit dormir, oui, à cette heure-là, la souveraine dort. Oh, attendez, peut-être qu'on peut sortir du château et cueillir quelques herbes. Comme ça, nous pourrons rentabiliser notre temps passé au château. Oui, la souveraine dort. Donc, prendre. Prendre aussi. Prendre.
et c'est à peu près tout. Et ensuite, est-ce qu'il peut pas s'occuper? On va essayer de sympathiser avec quelques personnes. Ah, rejoindre la partie par exemple. Jouer aux cartes, mais c'est génial avec Eloi le grand constructeur, bien sûr. Par contre, lui, il dort pas, hein. Peut-être profite-t-il de la nuit où il n'y a rien à faire pour le royaume, pour se détendre un peu. Donc on a récupéré pas mal d'herbes. Ah oui, quand même, niveau graminé, on est servi. Hein. Niveau mousse de sang aussi. Racine de fée, solanacée, feuille du seigneur pour le grog mystique. Ah, je commence à le savoir, hein. Fragment de métal mystique. Alors ça, par contre... Ah, c'est peut-être... Ouais, c'est peut-être pour... Bah, rejoins la partie. C'est peut-être pour le forgeron, ça. Un jeu qui associe cartes et dés. Intéressant. Allez, on va avancer. On va avancer plus vite. Et achat. Ah, d'accord. C'est un jeu où on mise de l'argent. Et apparemment, Gilles n'arrête pas de perdre. Ah, il enchaîne un petit peu. Hein. Il enchaîne quelques victoires, quelques défaites aussi. Ah. Ah bah parfait. Demandez la sortie du pilori. Bravo Gilles, c'est bien. Allez. Notre mage a joué avec Eloi le grand constructeur. Oh le tricheur. Oh, Eloi a triché. Oh, c'est pas sympa ça. Et du coup, ils sont amis ou pas? Et ils se connaissent même pas, d'accord. C'est pas grave. Alors Steph, comment ça va? Ça roule? Majesté, comment allez-vous? Bon, normalement c'est notre ami. Ah, c'est une connaissance. Il voilà, on demande gentiment. Allez, d'accord. C'est gentil. C'est gentil. Elle est pas d'accord, d'accord. Je ne peux pas libérer Patrick le moine béni malgré votre rang au sein de Récornoria, Gilles. Il a enfreint nos lois et justice doit être faite, ou le royaume sombrera dans l'anarchie. Cependant, si quelqu'un veut prendre sa place au pilier ou payer l'amende, j'autorise sa libération. Attendez. On a le choix entre prendre la place de Patrick ou payer sa libération. C'est un choix que nous ferons lors du prochain épisode où on espère... Enfin, j'espère qu'on finira la quête parce que ça dure, ça dure. Enfin, en même temps, c'est mieux que la quête de l'enfant disparu. Là, on a vraiment un mystère. Va-t-on trouver la fontaine de légende ou n'est-ce qu'une légende? En tout cas, on doit libérer Patrick. On a le choix entre se sacrifier pour lui, prendre sa place ou payer l'amende. On se retrouve donc la prochaine fois pour faire ce choix terrible. Pas si terrible que ça, en fait. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. Oh, hey! Aha! Bojasp! Bojasp!